Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV. Excusez-moi, c'est l'émission Le Quiz Biblique. Une émission qui a pour but, objectif de nous permettre, n'est-ce pas, d'enrichir notre connaissance biblique par des questions-réponses, n'est-ce pas, et tout ceci dans la bonne humeur. Donc, sans plus tarder, nous allons voir nos candidats du jour. Donc nous avons 7 joueurs, nous avons Eric Dany, nous avons Paul, nous avons Tanguy, Nina, John Alexis, Saint, Espérance et Yannick. Donc nous tenons avant de commencer notre quiz biblique aussi à remercier nos frères qui ont monté la majorité des questions. Donc nous voulons remercier les frères qui ont monté la majorité des questions. Voilà, c'est le questionnaire question-réponse. Vous pouvez avoir cette application sur Play Store. Voilà, télécharger gratuitement. Et cette application vous permettra de vous entraîner car la majorité des questions sont issues de cette application. Donc, j'espère que vous êtes bien assis devant votre poste de télévision car notre quiz biblique va bientôt démarrer dans la joie, la paix et la bonne humeur. Question numéro 1. Donc nos questions seront basées sur la Torah. Donc question numéro 1. Alors notre première question est de savoir où l'arche de Noé s'arrêta-t-elle? Où l'arche de Noé s'arrêta-t-elle? Donc on voit qu'on a déjà trois bonnes réponses. Ça va un peu vite. Est-ce que c'était sur les montagnes de Megiddo? Sur les montagnes d'Arara? Ou sur les côtes orientales, où l'arche de Noé s'arrêta-t-elle? Était-ce sur les montagnes d'Arara, côte de couleur rouge? Sur les côtes orientales, côte de couleur. Et la bonne réponse était sur les montagnes d'Arara. Nous avons comme ça, pour cette première question, deux bonnes réponses. Alors, sur le petit écran, on va s'afficher le passage qui nous l'explique, qui nous le confirme. Et c'est bien sûr Genèse chapitre 8, le verset 4. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Alors, que se passe-t-il du côté du classement d'entrée des jeux? Qui est à la première et la deuxième place? Donc, on a Yannick qui commence bien, suivi d'Eric Dany, de Nina, de Tanguy et de Paul. Et Sainte-Espérance n'apparaît pas encore sur le petit écran. Question numéro 2. La deuxième question de notre quiz biblique. Donc, j'espère que vous jouez avec nous depuis la maison car l'objectif de cette émission est pour vous. Pour vous permettre aussi d'apprendre, de cultiver votre connaissance biblique. Combien de jours après la construction de l'arche, Yahweh fit-il venir les eaux du déluge? On va relire. Combien de jours après la construction de l'arche, Yahweh fit-il venir les eaux du déluge? Un jour après la construction, 12 jours après la construction de l'arche, ou 7 jours après la construction de l'arche? Et la bonne réponse était 7 jours, le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Nous avons eu droit pour cette question à 5 bonnes réponses. Je pense que les choses vont certainement bouger du côté du classement. D'abord l'explication, s'il vous plaît, les hommes de la régie. Alors c'est le verset 4 du chapitre 7 qui nous le confirme. Alors le verset 4, c'est car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Donc la bonne réponse était 7 jours. Alors du côté du classement, qu'est-ce qui se passe? Nos frères de la régie. Et oui, on a Paul qui apparaît et John Alexis, Yannick et Eric se partagent toujours les deux premières places de notre classement. Suivi, s'il vous plaît, de notre sœur Nina que nous encourageons. Prochaine question de notre quiz biblique.
Question numéro 3 de notre quiz biblique. Donc, nous avons ce soir 30 questions. Combien d'oiseaux de chaque espèce Noé devait-il mettre dans l'arche? Waouh! 3 couples de chaque espèce, 7 couples de chaque espèce ou 12 couples de chaque espèce? Et oui, nous devons aimer la parole car c'est elle qui nous a engendrés, frères et sœurs. Alors, combien d'oiseaux de chaque espèce Noé devait-il mettre dans l'arche? Il était 12 couples. Et la bonne réponse était 7 couples de chaque espèce. Encore le chiffre 7 et nous n'avons aucune bonne réponse. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'aller sur le classement car les réponses, le classement reste le même. Donc, on va juste basculer du côté de l'explication. Excusez-moi. Alors, c'était le chapitre 7 du verset 2. Donc, Genèse chapitre 7, le verset 2. Tu prendras de toutes les bêtes pures, 7 de chaque espèce. Donc, la réponse était 7 de chaque espèce. Prochaine question. S'il vous plaît, on veut la prochaine question. Combien de chaque espèce de bête pure Noé devait-il mettre dans l'arche? Combien de chaque espèce de bête pure Noé devait-il mettre dans l'arche? 7 coupes de chaque espèce, 3 coupes de chaque espèce, 12 de chaque espèce. Attention, il y a un petit piège. Est-ce que c'était 7 couples? 7 comme la perfection, 12 comme le fondement. Ou 3 qui représentent aussi certainement quelque chose, mais on a un tout petit peu oublié. Alors, plus que 6. Et la bonne réponse était... Et la bonne réponse à notre question, est-ce que c'est 7 coupes de chaque espèce, 12 de chaque ou 3 de chaque espèce? Donc, ne vous inquiétez pas, la réponse à notre question va bel et bien s'afficher dans quelques secondes. Comme vous savez, la régie aussi a, la technique autant pour moi, a aussi ses caprices et nous devons faire avec. Donc, en attendant, n'est-ce pas, que la réponse s'affiche, je vais moi-même essayer de jouer. Alors, est-ce que c'est 7 couples? Est-ce que c'est 12 de chaque ou c'est 3 couples? Alors, j'allais dire 7 couples et c'est le chiffre 7 qui revient encore à la charge, frères et sœurs. Alors, quel est le passage qui nous le confirme? Fais Genèse, chapitre 7, le verset 2. Tu prendras de toutes les bêtes pures, 7 de chaque espèce et je crois qu'on l'avait déjà lu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de... du classement, que s'est-il passé du côté du classement? Et oui, notre frère Eric Dany prend pour la première fois la tête du classement et on a au bas de l'échelle notre frère Sainte-Espérance et surtout Nina qui tient bon à la troisième place. Prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 5. Combien de chaque espèce de bête impure Noé devait-il mettre dans l'arche? Waouh. Aucune bête impure? Waouh, mais ils sont assez rapides. Un couple de chaque espèce était la bonne réponse. Et on a eu droit à 5 bonnes réponses. Alors le passage qui nous le confirme. Mais les bêtes qui ne sont pas pures, un couple, le mâle et la femelle. Frère, ce jeu aussi est un jeu qui nous... ça mène à retenir plus facilement et rapidement. Et qu'est-ce qui se passe-t-il du côté des scores? Vigilance. Et les positions de mon rêve quasi inchangées. Et je cherche mon frère Tanguy sur le petit écran. Prochaine question. Alors vraiment, ce jeu nous apprend, nous instruit et nous permet de retenir vraiment des choses, hein, je vous rassure. Quel âge les fils de Noé avaient-ils quand le déluge des eaux vint sur la terre? Là encore, il y a un petit piège. Est-ce que c'est 50 ans, 100 ans ou 150 ans? Un peu de georgette spirituelle. Pourquoi pas demander au Saint-Esprit de nous rappeler si on l'a déjà lu et comme il est fidèle, il pourra le faire. Mais si on n'a jamais lu,
Ça ne sert vraiment à rien de dire Saint-Esprit, rappelle-le-moi, car ça va être beaucoup, beaucoup difficile. Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 100 ans? Est-ce que c'est 150 ans? Personnellement, je n'ai pas la bonne réponse. Et notre chrono est en train de s'effriter petit à petit. 3, 2. Et la bonne réponse était 100 ans. Et nous avons eu droit à deux bonnes réponses, s'il vous plaît. Alors le passage va s'afficher sur le petit écran, le passage qui nous le confirme. Le verset 6 du chapitre 7 de Genèse, du chapitre 7, 8 de Genèse. Or Noé est âgé de 100 ans quand le juge des eaux vint sur la terre. Non, c'est pas celui-là. Je crois que c'est le verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Voilà, donc vous avez l'information. Mais je pense que l'information a besoin peut-être de calcul ou de plus de précision. Mais voilà, on va faire avec ce qui nous est proposé. Que se passe-t-il? Toujours du côté des scores. Et on a comme ça Paul qui remonte à la deuxième place. Yannick à la troisième. Nina a perdu une place. Et Sainte-Espérance au bas de l'échelle. Sans compter que je suis toujours à la recherche de mon frère Tanguy et de John Alexis. Prochaine question, s'il vous plaît. Petit à petit, nous sommes en train de progresser dans notre émission de quiz biblique. Quel âge Noé avait-il quand le déluge des eaux vint sur la terre? Là, quand même, on l'a déjà lu et je crois que tout le monde devrait pouvoir y répondre. Est-ce que c'était 600 ans, 400 ans ou 500 ans? Eh oui, c'était 600 ans. Là, nos frères ont bien retenu. Bonne réaction. Que Yeshua vous bénisse et le passage qui nous le confirme. Or, Noé, âgé de 600 ans, quand... était âgé de 600 ans quand le déluge des eaux vint sur la terre. Que se passe-t-il du côté du score de notre classement? Y a-t-il des apparitions nouvelles? Non, apparemment si. Il y a Paul qui a pris la tête du classement et nous voulons encourager notre frère Paul à tenir bon car le chemin sera très très long. Prochaine question s'il vous plaît. Question numéro 8. Et là encore, je crois qu'on doit pouvoir y répondre. Combien de jours le déluge des eaux dura-t-il? Un peu de calcul. Est-ce que c'était 40 jours et 40 nuits? 50 jours et 50 nuits? Ou 60 jours et 60 nuits? Waouh! Combien de jours le déluge des eaux dura-t-il? Oui, comme le petit bonhomme sur l'écran, nous sommes au mode réflexion et c'était 40 jours et 40 nuits. Et le passage qui nous le confirme, c'est Genèse chapitre 7, le verset 4. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien. Que se passe-t-il du côté du classement? Et toujours Paul qui est à la tête, suivi d'Eric, d'Anny, de Yannick, de Nina et de Sainte-Espérance. Et toujours à la recherche de nos deux derniers frères. Nous poursuivons comme ça notre jeu biblique, notre quiz biblique dans la joie et la bonne humeur avec la question numéro 9. Combien de filles Noé engendra-t-il? De filles? Des filles ou aucune fille? Tout le monde devrait pouvoir y répondre. Combien de filles Noé engendra-t-il? Et je vais comme ça essayer d'aider nos compatriotes qui sont en train de jouer, nos frères. Est-ce que c'était des filles, deux filles ou aucune fille? Donc on va essayer de donner une petite orientation et c'était la bonne réponse est aucune fille. C'est vraiment bizarre, mais c'est aucune fille. C'était l'autre qui avait des filles et Noé des enfants et il avait des belles filles.
Le passage qui nous le confirme. Noé avait Sem, Cam et Japheth, frères et sœurs, le plus simplement possible de la terre. Et que se passe-t-il du côté du score? Sem, Cam et Japheth. Un peu bizarre cette question. On croyait que tout le monde allait y répondre. Et Paul est en train de creuser l'écart. S'il vous plaît, soyez vigilants. Prochaine question. Question numéro 10 ou 10e question. Nous avançons petit à petit vers le milieu. Waouh! Combien d'enfants Noé engendra-t-il là? Vraiment, il fallait être le plus rapide possible. 3 enfants. Alors, c'était Sem, Cam et Japheth. Oui, l'explication quand même. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le score. Donc, Genèse chapitre 5, le verset 32. Vous lisez, il y avait Sem, Cam et Japheth. Alors, que s'est-il passé du côté des scores? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de bousculade à ce niveau. Et non, les choses restent inchangées. Paul est toujours à la tête, suivi d'Eric Dany, de Yannick, de Nina et de Sainte-Espérance. Toujours pas de nouvelles pour le moment de Tanguy et de John Alexis. Prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 11 ou 11e question. Quelle sorte de bois Noé utilisa-t-il pour bâtir l'arche? Est-ce que c'était le gopher, l'acajou ou l'acacia? Oui, oui. Et la bonne réponse était le gopher. Le gopher, frères et sœurs. Le gopher. Et le passage qui nous le confirme. Donc vous lirez Genèse chapitre 6, du verset 14 jusqu'à la suite. Vous verrez que on nous parle du gopher. Donc vous pouvez noter et vous verrez le gopher. Alors du côté des classements. Et je crois que c'est Nina qui a trouvé la bonne réponse parce que je vois qu'elle est passée en troisième position dans notre classement. Courage à notre sœur qui ne se laisse pas faire. Prochaine question, s'il vous plaît, je crois, 12e question. Oui. Question numéro 12. Pourquoi Yahweh décida-t-il d'exterminer de la face de la terre tous les êtres vivants? On ne se précipite pas à répondre. On prend d'abord la peine de correctement lire. Parce que le cœur des êtres humains n'était que mal en tout temps. Parce que le cœur des êtres vivants n'était que mal en tout temps. Est-ce qu'il y a une différence? Des êtres vivants et êtres humains, voilà. À cause des fils de Dieu qui prirent les filles des humains pour femmes. Donc attention, il y a un tout petit piège. Être humain en rouge et être vivant en jaune. Et je crois que tous nos concurrents ou tous nos participants, autant pour moi, ont répondu. La bonne réponse était être humain et pas être vivant, car il y a bien sûr une différence entre être humain et être vivant. Et le passage qui nous le confirme, c'est simplement Genèse chapitre 6, le verset 5 qui dit « Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain, donc de la race humaine, donc la race animale, n'est pas comptée dans cette affaire, c'est la race humaine, donc les hommes. » Et du côté du classement, que se passe-t-il? Et je crois que les choses restent inchangées. On va comme ça passer à la prochaine question de notre quiz biblique. Question numéro 13. Waouh, waouh, waouh. L'arche de Noé avait combien d'étages? Un étage ou deux étages ou trois étages? Un étage, deux étages ou trois étages? Pour essayer de nous orienter, combien d'étages avait l'arche de Noé, sachant qu'il y avait aussi des animaux à l'intérieur? Est-ce que c'était possible de rester dans un seul étage, dans deux étages ou dans trois étages? Je ne sais pas.
mais on croit que la régie nous affichera la réponse lorsque le temps sera écoulé. Alors on patiente, on réfléchit. Deux étages, un étage ou trois étages. Plus que quelques secondes pour enfin savoir 6, 5, 4, 3, 2, 1 seconde. La réponse à notre question est, elle va s'afficher, ne vous inquiétez pas. L'arche de Noé avec combien d'étages, s'il vous plaît, les frères de la régie? Alors, en attendant que la réponse s'affiche, je vais essayer moi-même de donner une réponse. J'exclurai automatiquement un étage. Peut-être que c'est la bonne réponse, je ne sais. Alors, quelle est la réponse à notre question? Eh oui, c'était trois étages, tout simplement. Donc, l'arche de Noé avait bel et bien trois étages. C'était pas possible un étage de vivre avec des animaux pendant tout ce temps. Alors, le passage qui nous le confirme est dans Genèse, chapitre 6, le verset 16. Donc, si vous le lisez, tu feras une fenêtre à l'arche, tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu mettras la porte de l'arche sur le côté et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Donc, vous avez la réponse à vos questions, à votre question. Et du côté de classement, que se passe-t-il? Eh oui, tout est serré. Et nous procédons à la prochaine question de notre quiz biblique. Juste rappeler que le principe, c'est de cocher sur le code couleur qui correspond à la réponse que vous avez choisie. Les héros de l'Antiquité ont-ils réellement existé? Les héros de l'Antiquité ont-ils réellement existé? Oui ou non? Vous n'avez aucune idée. Les héros de l'Antiquité, ces héros de l'Antiquité ont-ils réellement existé? Oui ou non? Alors, on attend la réponse à notre question. Et si je joue, je dirais que la réponse est certainement oui, bien sûr, parce que nous avons la race des géants. Et le passage qui nous le confirme est dans Genèse 6:4. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre, bien sûr. C'est la race des Hercules et de tous les autres, si j'ai bonne mémoire. Alors, que se passe-t-il du côté de notre classement? On a Eric Dany qui répond à la tête. Et Nina qui passe à la 4e place. Voilà un peu pour l'instant ce qui se passe. Et nous allons procéder à la 15e question. Si j'ai bonne mémoire. Donc, à quel âge Noé engendra-t-il Sem, Cam et Japheth? 400 ans, 600 ans, 500 ans. Je crois que la réponse a déjà été donnée dans un des passages qu'on a lu, un peu de réflexion. La bonne réponse était bien sûr 500 ans. Et le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît. Genèse 5:32, Noé âgé de 500 ans engendra Sem, Cam et Japheth. Donc, c'est possible qu'on nous affiche, la régie, s'il vous plaît, les scores. Et Paul prend la tête, ou reprend la tête, si j'ai bonne mémoire. Yannick en deuxième position, suivi d'Eric Dany, de Nina, de Sainte-Espérance, et certainement de John-Alexis et de Tanguy. Donc, c'est la 15e question, et comme vous le savez, à la 15e question, nous faisons une petite pause de quelques secondes pour nous permettre de vous présenter à nouveau l'application question-réponse qui nous permet comme ça, n'est-ce pas, d'avoir l'essentiel de réponse. Donc, c'est question-réponse, application. Vous allez sur Play Store, vous la téléchargez gratuitement. Vous pouvez jouer autant de fois que vous pouvez, enrichir votre culture, votre connaissance biblique. Donc, nous allons comme ça poursuivre notre
quiz biblique avec la 16e question. Question numéro 16. Les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet étaient-ils les triplés? J'allais donner la réponse. Quelle erreur allais-je commettre? Oui ou non? Ah oui, oui. Là, quand même. Oui, on a eu la réponse tout à l'heure dans ce que nous avons lu précédemment. Ils étaient bien sûr des triplés. Effet Genèse, chapitre 5, qui nous le montre. Noé, voilà, Genèse 6, 9, voici la pensée de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marcha avec Dieu et Noé engendra trois fils, Sem, Cam et Japhet. Donc cette précision nous montre qu'ils étaient des triplés nés la même année. Que se passe-t-il du côté des classements? Et Nina vient passer à la troisième place. Nous voulons l'encourager. Et il y a notre frère John Alexis qui apparaît sur notre petit écran. Force et courage à toi, mon frère. 17e question de notre quiz biblique. Donc, si vous profitez, prenez du bon temps en famille, car c'est des moments que le Seigneur permet dans la joie et la bonne humeur. Noé avait-il des frères et des sœurs? Noé avait-il des frères et des sœurs? Oui ou non? Est-ce que la Bible nous dit qu'il était fils unique? On le saura tout à l'heure. Noé avait-il des frères et des sœurs? Je crois que tous nos candidats ont répondu. Et alors, quelle est la bonne réponse? Noé avait-il des frères et des sœurs? Quelle est alors la bonne réponse à notre question? Alors, si je dois essayer de me prêter au quiz biblique, je crois sincèrement que Noé a un peu de suspense. Je ne veux pas me jeter dans le marigot. Et oui, il avait bien sûr des frères et des sœurs et je le croyais sincèrement. Donc alors, le passage qui nous le confirme, c'est Genèse chapitre 5, le verset 28. Les mecs aussi vécut 199 ans et il engendra un fils. Il appela Noé en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et du travail pénible. Le mec, après qu'il eut engendré Noé, vécu 580 ans, il engendra des fils et des filles. Donc c'est le verset 30 qui nous le confirme. Il engendra des fils et des filles. Noé n'était pas enfant unique, frère et sœur. Alors que se passe-t-il du côté? Et voilà, du côté des scores, on a notre frère Yannick qui reprend la première place. Donc je crois que c'est lui qui a donné la bonne réponse et il est en train de creuser un tout petit peu l'écart. John Alexis toujours au bas de l'écran et surtout une information particulière. Notre frère Sam d'Espérance a quitté l'écran. Prochaine question s'il vous plaît. Question numéro 18. Noé était-il le fils aîné de Lémec, fils de Methuselah? Eh oui, un peu de réflexion. Bien sûr que oui, on l'a lu précédemment. On l'a lu précédemment, un peu de cogito spirituel, frères et sœurs. Alors, le passage qui nous le confirme n'est tout autre que Genèse, chapitre 5, à partir du verset 28. Et on l'a lu tout à l'heure, le verset 30 dit que et les mecs, après qu'il eut engendré Noé, vécu 595 ans et il engendra des fils et des filles. Que se passe-t-il du côté du classement? Et oui, Yannick reste à la tête de notre classement et je suis en train de chercher Saint-Espérance et Tanguy. Prochaine question s'il vous plaît, frères et sœurs. Question 19, numéro 19, ou 19e question. Comment s'appelle le grand-père de Noé? On l'a lu tout à l'heure. On l'a lu tout à l'heure. Le grand-père de Noé, pas le père.
Est-ce que c'est les mecs, Methuselah ou Enoch? Un peu de cogito. Et suivez mon regard. Faites bien sûr, Methuselah, on l'a lu précédemment. Donc le même passage va revenir. Et tous les 7 candidats ont trouvé. Merci Seigneur pour ta fidélité. Donc quel est le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît? C'est bien sûr ce passage. Et il fait le verset 27. Tous les jours que en tout cas vous lirez, vous comprenez que et Methuselah ayant vécu 127 ans engendra le mec. Et le mec est le père de Noé. Alors, du côté du classement, que se passe-t-il? Aucun changement en dehors du fait que Yannick continue à creuser le score. Prochaine question. Question numéro 20. On s'achemine petit à petit vers la fin de notre quiz biblique. Comment s'appelait le père de Noé? Ah oui, 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 c'est le mec, c'est les mecs. Et je souhaiterais vraiment savoir qui a faussé cette question. Et le passage qui nous le confirme est là. Les mecs engendra Noé, on l'a lu tout à l'heure. Je souhaiterais vivement savoir qui a faussé. Alors, du côté du classement, qu'est-ce qui se passe? La précipitation n'est pas un bon conseiller. Prochaine question, s'il vous plaît, frères et sœurs. Yannick continue à creuser le score. Attention, il risque de nous faire un coup de chapeau. Question numéro 21 ou 21e question. Mais tu seras vécu le plus d'années sur la terre? 900. À quel âge mourut-il? 969 ans, 950 ans ou 975 ans. Alors, Methuselah a vécu le plus d'années sur la terre. À quel âge mourut-il? Donc, on apprend que l'humain qui a le plus vécu sur la terre, c'est Methuselah. Est-ce que c'était 969 ans? Est-ce que c'était 965 ans? Ou est-ce que c'était 950 ans? Et je crois que dans quelques secondes, nous aurons la réponse à notre question. Et je vais essayer cette fois de me jeter dans le marigot. Et c'était 969 ans, 6 bonnes réponses. On a des fervents méditeurs de la parole de notre maître Yehoshua. Alors que se passe-t-il du côté des scores? Donc, tous les jours que Noé Methuselah a vécu furent de 969 ans, puis il mourut. Donc, le passage Genèse 5, 27 nous le confie. Merci les frères de la régie. Et que se passe-t-il du côté des scores? Pas trop de changement. Et la question suivante, qui est la question numéro 22, notre 22e question. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de ce quiz biblique. Quel être humain vécu le plus d'années sur la terre? Tout le monde devrait pouvoir y répondre. Honnêtement, tout le monde devrait pouvoir y répondre. Est-ce que c'est Adam, Jared ou Methuselah? Tout le monde doit avoir la bonne réponse. Quel être humain vécu-t-il le plus d'années sur la terre? Est-ce que c'est Adam? Est-ce que c'est Jared ou est-ce que c'est Methuselah? Eh oui, la bonne réponse était Methuselah, frères et sœurs, on l'a lu tout à l'heure. Et s'il vous plaît, retenez celui qui n'a pas trouvé, je souhaiterais savoir qui est-il. Alors, le passage qui nous le confirme, c'est Genèse chapitre 5. Le verset 27 qui dit « Tous les jours que Methuselah a vécu furent de 969 ans, puis il mourut », de page qu'on venait de lire. Alors, que se passe-t-il comme ça du côté des scores? Eh oui, Yannick continue à creuser le score. Je pense qu'il nous avait prévenu qu'il aime beaucoup les victoires. Prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 23. À quel âge Seth mourut-il? Eh oui, un nouveau personnage, Seth.
Est-ce qu'il fait 950 ans, 912 ans ou 930 ans? Alors là, nous réfléchissons sérieusement. Donc, à quel âge Seth mourut-il? 950 ans, 912 ans ou 930 ans? C'était bien sûr 912 ans. Nous n'avons aucune bonne réponse et nous allons juste voir le passage qui nous le confirme. Tous les jours que Seth vécut furent de 912 ans, puis il mourut. Prochaine question, pas besoin de voir le score car les choses n'ont pas bougé. Question numéro 24. Quel âge Seth avait-il lorsqu'il engendra son fils Enoch? Quel âge Seth avait-il lorsqu'il engendra son fils Enoch? 500 ans, 137 ans ou 150 ans? Donc quel âge Seth avait-il lorsqu'il engendra son fils Enoch? Donc s'il vous plaît, c'était 150 ans, trois bonnes réponses, trois fervents méditeurs de la parole. Et le passage qui nous le confirme est dans Genèse chapitre 5 verset 6 qui dit « Seth aussi vécut 150 ans et engendra Enoch ». Voilà. Et du côté du classement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des chamboulements, des renversements? Il y en a John Alexis qui a trouvé. Et les choses demeurent ainsi. Courage à mon frère, fin d'espérance pour la suite des questions. Prochaine question. Alors petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de ce quiz biblique. Adam mourut à quel âge? 850 ans, 930 ans ou 900 ans? Coup de couleur rouge, 850 ans. Coup de couleur bleu, 900 ans. Coup de couleur jaune, 930 ans. Donc, à vos smartphones, à vos claviers. Et la bonne réponse était 930 ans. Donc, nous avons eu à droit à 4 bonnes réponses. Et on peut basculer du côté du passage qui nous le confirme, s'il vous plaît, frère de la régie. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Alors, du côté du classement. Eh oui. La principale information est la montée de notre sœur Nina à la deuxième place. Comme quoi, le chat qui dort ne dort jamais. Un dicton du monde. Alors, on va procéder à la prochaine question. La 26e question, question numéro 26. Adam vécut combien d'années après qu'il eut engendré son fils Seth? 800 ans, 730 ans ou 930 ans? Alors, un peu de jojote, beaucoup de patience, de réflexion pour enfin trouver la bonne réponse. Adam vécut combien d'années après qu'il eut engendré son fils Seth? 930 ans, 800 ans ou 730 ans? Eh oui, aucune bonne réponse. C'est des choses qui arrivent. Et le passage qui nous le confirme. Genèse chapitre 5, verset 4. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Nous allons passer à la prochaine question, car au classement, il n'y a aucun changement, puisqu'il n'y a pas eu de bonne réponse. Donc nous sommes comme ça arrivés à notre 27e question. Adam avait quel âge lorsqu'il engendra son fils Seth? 500 ans? 130 ans ou 100 ans? On a comme l'impression d'avoir déjà vu cette question, mais certainement qu'il y a un changement. Adam avait quel âge lorsqu'il engendra son fils Seth? 150 ans?
100 ans ou 100 ans. Et oui, ce jeu vraiment nous fait réfléchir, nous déstresse et nous permet de passer un moment de gaieté en famille. C'est des jeux qu'on vous encourage à davantage à voir et à rechercher, car ça fait du bien à notre connaissance de la parole. Notre top chrono est en train de s'effriter et la bonne question réponse était 130 ans. 5 bonnes réponses, c'est pas déjà mal. Et le passage qui nous le confirme va s'afficher sur le petit écran. Genèse chapitre 5, le verset 3. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Alors du côté du classement, quels sont les principaux changements observés? C'est juste Paul qui revient à la troisième place. Nina maintient sa deuxième place. Et Yannick est en train de filer tout droit vers sa deuxième victoire. Prochaine question, s'il vous plaît. Question 28. Plus que deux questions et notre émission prendra fin. C'est à partir de quel fils que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh? Enoch, Jubal ou Seth? Je crois que tous nos frères ont la bonne réponse. C'est à partir de quel fils de Seth? C'est à partir de quel fils que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh? Désolé. Est-ce que c'est Seth, Enoch ou Jubal? Enoch ou Jubal ou Seth. Donc c'est à partir de quel fils que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Donc à partir de quel fils que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Seth, Enoch ou Jubal. Seth. Et oui, c'était bien sûr Enoch la bonne réponse. Et le passage qui nous le confirme. C'est Genèse chapitre 4, le verset 25. À partir du verset 25 ou le verset 26. Il naquit aussi un fils à Seth et il appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yahweh. Alors, du côté du classement, quels sont les principaux changements, s'il vous plaît? Et oui, Eric Dany revient à la troisième place et Paul, je crois qu'il est en train de perdre sa deuxième place. 29e et avant-dernière question de notre quiz biblique. Donc nous sommes à notre avant-dernière question. Qui est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau? Et je crois que là, Espérance devrait trouver la réponse. Jubal, Jabal ou les mecs? Quel est le père de tous ceux qui jouent de la harpe? Eh oui, Jubal. Et là, je crois que Espérance a dû trouver le premier. Alors, le passage qui nous le confirme, c'est Genèse chapitre 4, le verset 19. Genèse chapitre 4, à partir du verset 19 et jusqu'au verset 21. Et vous verrez que c'est Jubal qui en est l'auteur, qui est le père de tous ceux qui jouent de la harpe, si j'ai bonne mémoire. Et que se passe du côté des scores? Et oui, la principale information, c'est notre sœur Nina qui prend la deuxième place. Et oui, les chantres de l'Éternel ont dû trouver la réponse. Et enfin, nous allons comme ça toujours vers notre dernière question. La dernière question qui confirmera la victoire ou infirmera la victoire de notre frère Yannick. Qui est le père de tous ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux? Eh oui, Jubal, Ada ou Jabal? Jubal, Ada ou Jabal? Qui est le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux? Et oui, c'est des questions qui nous font
beaucoup réfléchir. Et c'est Jabal. Cinq bonnes réponses. Et le passage qui nous le confirme est dans Genèse chapitre 4, du verset 19 au verset 20. Donc les mecs prirent deux femmes, le nom de l'une était Ada. Et voilà, le passage a quitté l'écran. Donc nous allons comme ça, toute voie du côté du score final de notre quiz biblique. En troisième position, Paul. Encouragement à toi. En deuxième position, notre sœur Nina. Et en première position, notre frère Yannick, qui est le grand champion. Il nous a promis que lorsqu'il gagne une fois, il gagne deux fois. Et il est le grand champion de ce troisième quiz biblique. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces moments de détente, pour ces moments de partage et de joie, de communion en famille. Donc fêtez comme ça votre émission, le quiz biblique. Que Yahweh vous bénisse et vous garde. À la prochaine. Bonne soirée chez vous. Wow.